Bonjour tout le monde. Donc je reprends une vidéo de Winsland, donc ça va être ma dernière je pense. Donc là je vais vous montrer le dernier niveau qui va être débloqué justement parce que j'ai récupéré tous les artefacts du premier niveau. Donc voilà. Et une petite porte au fond s'est ouverte, je sais pas si vous la voyez. On peut s'imaginer qu'il y en aura une deuxième qui sera débloquable. Donc on va tout de suite s'y aller. Et donc là, ça c'est un portail pour que je puisse revenir au dernier spawn de là où je m'étais arrêté dans le niveau, dans le grand monde là. Et on va aller dans le niveau qui s'est débloqué. Voilà, donc ça a un niveau qui est timé et l'objectif c'est d'arriver donc au sommet de ce parcours. On va y aller, j'y vais cool, hein. J'ai pas envie de me foirer, je suis pas sûr de le finir, mais au moins vous avez un aperçu d'un niveau alternatif dans ce jeu. Qui est en plus pas très facile puisque on a aucune utilité des grappins. Et voilà, je me suis déjà planté, on va recommencer. Donc les grappins, ils sont pas utilisables sur la pierre, ils sont uniquement utilisables sur les feuillages. Voilà, un checkpoint. Comme dit, si je me plante, j'atterris à nouveau ici. Donc là, on va passer par où? Je l'avais déjà fait, mais je me souviens plus. Voilà. On va passer par là. Ok, on va réessayer. Voilà. Ok. Allez, on va passer le prochain checkpoint. Comme ça, je serai soulagé. Voilà, fou. Maintenant, je peux de nouveau faire un peu le coup. J'analyse un peu le terrain pour voir par où passer. Allez. Oh non! Un peu d'élan. Voilà. Alors, c'est quoi ça? Par où ils veulent que je passe? Par là? Ils sont un peu malades, quoi. Par là. On va essayer. Allez, c'est bon. Comme je vous le dis, là, ça rigole plus. Allez, j'en étais sûr.
Et on recommence. Ah bah je peux essayer de passer là. Non. On va faire comme avant. Voilà. On va essayer de passer là. Je peux jouer au con. Il y a un checkpoint toi là. Pas loin. Ok. Oh putain. C'était chaud. C'était ultra chaud. La cool. Voilà. Et là, je sais pas pourquoi. Non, je vais passer là. Je sais pas où passer. Non. On va recommencer. Je suis limite en train de trembler. Comme dit, un jeu de plateforme en VR, c'est ça a rien à voir avec un jeu de plateforme classique, c'est vraiment, on peut le dire, sensationnel. Ok, alors. Par où je vais passer? Ouf, j'ai presque glissé là. Ah ouais. Allez, glisse pas. Allez. Je suis pas sûr d'arriver au point. Ça doit pas être trop marrant pour vous. Allez. Quand je perds plusieurs fois comme ça, j'ai tendance à vouloir aller trop vite après. Et après, je fais des bêtises. C'est bon. Et un checkpoint, ça fait plaisir. Alors là, je peux vous dire qu'il fait plaisir celui-là. Ok. Voilà, ça me semble compliqué, on va passer là. On peut passer directement là. J'ai eu chaud encore une fois.
y est presque. Ça devient super étroit les plateformes. Ok, ok, ok. Concentration. Checkpoint, ça fait plaisir. C'est un peu compliqué aussi ici. Voilà. Allez. Voilà. Je sais pas à quoi ils sont amusés les développeurs pour faire ce niveau. Mais... Allez. Je les ai un peu grugés là, ils voulaient me faire chier avec leur truc là. On y est, on y est. Ah, j'ai mis quand même près de 10 minutes pour le finir. J'imagine que... J'imagine que certains acharnés vont le faire en quelques minutes, en 2-3 minutes. Donc voilà. Je pense qu'on a fait le tour du jeu, du moins de la partie du jeu disponible actuellement et jouable. Il est actuellement disponible sur Steam dans cette version là, ils sont en train de le mettre à jour régulièrement. Donc je vais m'arrêter ici pour Windlands, j'espère que j'ai réussi à vous donner un petit aperçu de ce que va être Windlands. Je conseille vraiment, si vous avez un Oculus DK2, de le tester. Sachant que pour ceux qui ont des problèmes de cinétose, ceux qui ont le mal de mer, il va falloir peut-être commencer par des jeux un peu plus doux. Mais une fois que vous serez habitué à la VR, je vous conseille fortement ce jeu parce qu'il est vraiment très très plaisant. Voilà. Je vous dis bye et puis peut-être que je ferai des vidéos d'autres jeux en VR. On verra. Allez, ciao !